et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 2 pour l'ouverture du calendrier swap de l'Avent que j'ai réalisé avec Marie-Claire. Alors avant de procéder au calendrier, alors vous voyez, j'ai mis son petit serre-tête que j'ai eu hier en numéro 1. Avant de procéder à l'ouverture, je vais déjà vous faire un petit blabla pour vous parler de ceci. Il s'agit du nouveau catalogue Stampin' Up qui sera valable à partir du 5 janvier. Je ne peux pas vous en montrer plus, je n'ai pas le droit puisque c'est officiel qu'à partir du 5 janvier. J'ai déjà quelques petites nouveautés, je vous les montrerai peut-être d'ici quelques semaines, pas trop à l'avance, ça sert à rien puisque vous ne pouvez pas les acquérir avant janvier. Si vous êtes mes clientes, que vous avez fait commande depuis moins d'un an, vous recevrez automatiquement ce catalogue. Si vous n'êtes pas cliente, pas encore, mais que vous souhaitez le catalogue, je vous mettrai en barre d'infos mon mail. Vous aurez juste à m'envoyer donc un mail en me demandant tout simplement un exemplaire du catalogue que je vous enverrai gratuitement. Les saisonniers, je les envoie gratuitement à toutes celles qui me le demandent. Ensuite, en plus de celui-ci, janvier, il y a également Salabration. Donc pour tous ceux qui, toutes celles, ceux, celles qui ne connaissent pas Salabration, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit dépliant, vous voyez, pas épais, hein, petit dépliant dans lequel se trouvent que des cadeaux offerts par Stampin' Up. Il suffit simplement de faire des commandes à partir de janvier jusqu'à, je ne me trompe pas, voilà, cette année ça changera. C'est du 5 janvier au 28 février et non mars, parce que si je ne me trompe pas, ils le feront une autre. Sera en deux parties. Donc tout d'abord, donc de janvier à février, pendant 2 mois. Pour toute commande, par tranche de 60 euros d'achat, vous pourrez choisir un cadeau à l'intérieur de ce dépliant, par tranche de 60 euros d'achat, ou si votre commande atteint un palier de 120 euros, il y a également à l'intérieur 2 produits valables pour 120 euros d'achat. Donc 60 euros d'achat, un cadeau, 120, 2 cadeaux ou un gros. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous n'avez pas tout compris. Ou si, c'est vrai que nous quand on le sait, des fois on n'explique pas forcément comme il faudrait. Donc vous recevrez celui-ci en même temps que votre catalogue. Alors, nous sommes mercredi, vous entendrez certainement du bruit chez les enfants qui sont à la maison. J'ai ça qui est en train de glisser, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Eh bien oui, justement, vous découvrirez déjà des petites nouveautés quand vous recevrez votre catalogue, puisque comme à chaque fois, à mon habitude, je vous joins toujours un petit cadeau. Et ce petit cadeau sera fait avec des nouveaux produits. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez recevoir le catalogue. Vous avez, on va dire, jusqu'au temps de les commander pour pouvoir les recevoir. Jusqu'au 20 décembre, vous pouvez me réserver un catalogue. 20 décembre, oui, je pense que ça pourrait le faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, si vous souhaitez ensuite l'avoir beaucoup plus vite, être curieux, il suffit simplement de rejoindre mon équipe. Et vous aurez en avant-première les produits du nouveau catalogue. Puisque moi, je les ai déjà. En tant que démo, on les a toujours un mois à l'avance. Donc, si vous êtes trop impatient, il suffit juste de rejoindre mon équipe et vous aurez tout en avant-première. Donc, voilà mon petit... J'ai un loustique pas très loin. Oui, tu fais pas de bruit. Donc, voilà mon petit blabla en plus de... avant de commencer. Mais je souhaitais également ajouter que pour vous remercier, ça grimpe petit à petit sur les abonnements sur ma chaîne, mais voilà... J'en suis très reconnaissante. Je souhaitais vous remercier et vous faire un petit concours. Donc, vous aurez jusqu'au 15 janvier. Là, je vous laisse quand même un mois et demi. Pour m'envoyer, donc pareil, il suffira de m'envoyer un mail par l'adresse que je vous mettrai en barre d'infos pour récupérer mon adresse postale. Je ne vais pas la dévoiler comme ça. Donc, il faudra un mail à m'envoyer pour m'envoyer la réalisation de votre choix. Une carte, un tag, un ATC, une memory dex, peu importe. Une réalisation de votre choix
pour que je puisse valider votre participation. Et alors, je sais que je vous l'avais dit plus tôt dans l'année et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Faute de temps, faute... voilà, je n'ai pas pu le faire. Je vous avais parlé du lot Petite Coccinelle qui était offert l'année dernière à Célébration et moi, j'en avais eu deux. Avec le reflet. Donc, je souhaite vous le mettre en lot du concours. Il est neuf. Hein. Voilà. Hop, avec les tampons ici. Hop. Le mien, pour vous montrer. Le mien est ici. Moi, j'ai tout collé derrière. La petite astuce que je vous ai déjà fait dans d'autres vidéos. Donc, je vous mets en lot, pour celles qui n'auraient pas pu l'avoir, ce petit lot de tampons Petite Coccinelle. Voilà. Donc, pour participer, comme je vous l'ai dit juste avant, il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse que je mentionnerai en dessous pour récupérer mon adresse postale, m'envoyer une créa de votre choix jusqu'au 15 janvier. Je ne sais même pas en quel jour ça tombe. J'ai même pas de calendrier. Ah, si. Est-ce que j'ai le calendrier de 2021? Je ne sais même pas à quel jour ça tombe. Le vendredi. Si je ne me trompe pas, si c'est bien le calendrier que j'ai, le vendredi. Donc on va dire jusqu'au samedi, jusqu'au 16. Jusqu'au samedi 16 janvier, dernier délai. Pour que je puisse recevoir et comptabiliser votre participation. Et le dimanche 17, je procéderai au tirage au sort. Donc voilà le deuxième blabla pour tenter de gagner ce magnifique lot que je me suis beaucoup servi moi l'année dernière. J'ai adoré. Et au printemps, c'est possible que je m'en serve encore. C'est tellement beau ces petites coccinelles. Donc voilà. Donc bah, nous allons, ça fait déjà 7 minutes passées, pouvoir commencer l'ouverture de mes deux calendriers de l'Avent, puisque j'ai également celui-ci à ouvrir. Alors, une petite gorgée de café avant. Donc, je vais me pencher sur celui-ci. Hop. Je vais vous baisser pour que vous puissiez voir également. Hop. Le numéro 2, le numéro 2, le numéro 2. Ouh, il est petit. Il est juste, je ne suis pas dans la caméra là, juste ici. Moi, je dirais peut-être un crayon, un colle. Cool, je sais pas comment on dit, un crayon noir quoi. Donc nous allons savoir ça tout de suite. Et ben même pas. Alors, c'est bien emballé. Là, ça risque pas de se sauver à l'intérieur. Il s'agit d'un petit pinceau. Voilà. Je vais le mettre de côté. Je vais remettre un petit coup. Donc, ça sert à rien de voir mes pieds après. Je vais le mettre ici. Avec la petite mascotte qui me surveille. Et donc, je vais mettre le carton de Marie-Claire sur mon bureau comme hier en fait. Oui, ça. Tac. C'est bien plein. Hein. Ah oui, j'ai remis sa petite carte dedans. Il faut une petite place pour me la mettre, en fait. Bon, enfin, j'étudie ça, mais je vais la mettre là pour l'instant. J'avais également remis le sucre d'orge. Il faut que je lui trouve une petite place. Et j'ai vu avec elle les bonus, elle m'a dit je fais comme je veux. Donc, sur les deux... Et ben, je vais en ouvrir un et puis j'ouvrirai l'autre demain. Ça évite d'être trop gourmande et de tout ouvrir aujourd'hui. Donc, je vais prendre celui-ci. Et donc, je vais reprendre son petit menu. Et on va regarder le numéro 2. Pour étendre, estomper
adoucir, texturer, mix média. À toi l'artiste. Tant pis, adoucir. Alors j'aurais plus ça à des mousses ou quelque chose comme ça du coup. Pour étendre l'encre, estomper, adoucir, texturer. Après, je ferais quelque chose comme des mousses. Voilà, on va aller regarder ça, on va essayer de trouver le numéro 2. Hop, alors je vais me remettre debout. Ouh, déjà, c'est un que j'avais pas vu hier. Un autre petit chocolat. Dans la petite bonbonnière là-haut. Alors, le numéro 2. Il y a une sucette. Je vais en découvrir tous les jours. Donc, ça c'est le 24. Oula, le 9. Ouh, dis donc. C'est gros ça. Ça c'est le plus. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Il y a un élastique dedans, tu me diras. Alors, encore un. Je vais carrément retirer le couvercle. Hein, mais ça m'évitera de le remettre à chaque fois. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais il y a des grosses choses, dis donc. Ah, ça, c'est le 3. Le 18. Un Père Noël. Ouh, ça a l'air fragile. Hein. Le 14, le 10, oh là 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 là, le 20. Enfin, je vais remettre de côté, je ne sais pas. Je vais tourner. Je remettrai tout ensuite à 23. Un Père Noël. Encore un chocolat. Mon pot, il va être trop petit. Hein. Le 21. Le 17. Le 19. Et il est au fond, c'est pas possible. Le 16. 13. Le 6. Une petite sucette encore. Il y a le 5. Des petits sous. 22, je vais le mettre après. Oh, bah alors. Encore des chocolats et bonbons. Ah oui, non, mais là, ce coup-ci, c'est trop petit. Hein. Le 8. Le 12. Oh, oh. Deux, le voilà. Donc je vais remettre. Voilà, celui-ci, le bonus, je le remets également. Et hop. Voilà. Alors, le numéro 2. Donc j'avais pensé à des tampons ou quelque chose comme ça, mais vu la forme, du coup, je ne pense pas. Alors, je ne sais pas. Donc à l'avant, on déchire, hop, hop, hop. Je sais. Ah d'accord. Ah. Pas les... Oh, j'avais hésité à les prendre, ceux-là, je les avais trouvés superbes. Des pinceaux. Décidément, c'est le jour des pinceaux, hein. Donc oui, effectivement, oui, ton intitulé, donc, eh bien, ils sont superbes. J'avais hésité, je les avais vus. J'adore les couleurs. Avec le reflet, je ne sais pas si, voilà. Je sais que je les avais vus, j'avais hésité. Eh ben, impeccable. Moi qui veux m'essayer à l'art journal, j'ai des petits pinceaux, des petits comme ça. Donc, ça tombe bien, c'est la taille du dessus. Génial. Merci bien Marie-Claire. Alors, on va donc ouvrir un bonus. Alors, j'essaie de pas
déchirer la petite enveloppe parce que ça peut toujours servir. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, bah si, je crois qu'elle est déchirée quand même. C'est trop bien collé. Allez, hop, c'est pas grave, on y va. Oh, petite gourmandise avec le café. Super ça, tu mets dans le café. Café chaud ou lait chaud? Peut-être plus lait chaud. Super, un petit chocolat. J'arrive mon poussin, tu vas avoir fini. Petit chocolat. Tu penses à mes kilos, hein? Eh ben, merci beaucoup Marie-Claire. Hop, je vais me remettre en face, c'est quand même mieux. Voilà. Non, mon doudou, je veux pas qu'on te voie. Donc merci, je vous donne rendez-vous du coup pour demain, le numéro 3. Non, mon loulou, excusez-moi, je pense, je veux pas qu'on voie mon loustic. Viens ici, s'il te plaît. Non, tout de suite. Bah, tu files, je veux pas qu'on te voie dans ma caméra. Ah, je suis désolée. Ah, voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puisqu'ici, il est 11h30. Ça va être l'heure de faire à manger. Et je vous dis donc à demain. Et n'oubliez pas de m'envoyer un mail pour le catalogue et ou pour participer à mon petit concours pour gagner ceci, n'oubliez pas. Allez, bonne journée, puis à demain.